Alors un beau dimanche de rugby ici à Saint-Quentin qui vient une victoire des Violets qui vient succéder aux victoires des M16 et des moins de 19 hier et un très bon tournoi du rugby à 5. Le rugby à 5 qui jouait à Amiens ce matin. Donc aujourd'hui le RCSQ s'impose 43-10 face à Lens, Web Lens. On a vu un très beau match, franchement un très beau match. Les gars ont pour une fois n'ont pas arrêté de jouer à la mi-temps, j'oserais dire, comparé au match de la semaine dernière à Abbeville où effectivement c'était un peu compliqué. On s'est mis au niveau de l'adversaire, mais là on a vraiment joué notre jeu, on a fait un match plein et là on peut vraiment féliciter toute l'équipe, tous les Violets, les coachs, etc. Et franchement, on est content ce soir d'être Violets et d'apporter une victoire pour Sport Saint-Quentinois. C'est vraiment régalé, comme on dit dans le Sud, justement. Les mecs n'ont rien lâché durant 80 minutes. On a pratiqué, j'ai trouvé du beau rugby. Il reste des choses à travailler encore, vraiment, mais il y a du mieux comparé aux autres matchs précédemment, donc ça fait vraiment plaisir. La victoire bonifiée, ça fait plaisir à la maison. Par rapport au début de saison, où c'est vrai qu'on a démarré pas de la bonne manière, on se rattrape la semaine dernière à Abbeville, victoire, et là à la maison, victoire bonifiée, ça nous met sur une bonne dynamique. On a la chance d'avoir repos pendant 3 semaines et on va pouvoir préparer le second bloc qui arrive de la meilleure des manières possibles pour continuer à concrétiser ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Et pourquoi pas aller le plus loin possible, les phases finales, pourquoi pas.